Je suis sûre que je vais apprendre des trucs, moi qui ne le fais jamais. C'est une très très grande taille. Comme il existe un grand vin, des grandes histoires d'amour, il y a aussi des femmes grande taille. Et c'est mon cas. C'est ma vraie différence avec beaucoup d'autres gens. Et probablement que ça déplaît fortement à certains, mais aussi ça plaît énormément. Dans le fait de ne pas changer, d'être fidèle à soi, de faire mentir un peu les docteurs, puisque ma santé est particulièrement bonne. Si j'avais le choix, je préférais avoir 50 kilos de moins. La vie serait plus douce, ça serait plus simple. C'est compliqué d'être gros, d'être obèse. Mais je n'ai plus le choix, je n'arrive plus à les perdre. Je refuse les opérations et toutes ces bêtises qui sont un moyen de perdre beaucoup son argent et sa santé, je pense. Alors dans ces cas-là, je fais avec. Ils ont été assez nombreux dans ma vie. Je reconnais que je n'ai pas eu un seul amoureux. J'en ai eu plusieurs. Je suis un petit peu amoureuse de l'amour. J'aime bien vraiment alterner des périodes où je suis vraiment seule. Je ne suis plus du tout en mode séduction. Je suis en mode méditation, relaxation ou création. Et là, vraiment, je n'ai affaire qu'à ma planète. Je suis sûre, je suis auto-centrée. Et puis par contre, de temps en temps, je me dis « Oulala, mais non, mais je ne vais pas partir au bout du monde sans avoir à mon bras un charmant garçon. » Et j'essaie de trouver le compagnon le plus libre dans sa tête aussi. Origine de l'Ardèche, origine de l'Italie. Ma mère est italienne. Donc, parlare, mangiare, fare l'amore...